Les populations sinistrées de Kharialla ont reçu la visite de Maître Madi Kenyon. Il n'est pas venu, les mains vides. Oui, je suis venu les voir. Ceux qui ont été des sinistrés à cause du problème du débordement de la mer de son lit. J'ai été regarder là où la brèche avait été faite. Ces derniers temps, le ministre Oumar Gueye accusait régulièrement Maître Abdoulaye Wade d'être à l'origine des maux et souffrances des populations sinistrées de Kharialla en créant la brèche de 2003. Maître Madi Kenyon dégage en touche et accuse les ministres de Macky Sall qui n'ont pas su renverser la vapeur. Certes, la brèche a été ouverte du temps du président Abdoulaye Wade, mais le président Macky Sall avait le temps pendant 6 ans à faire avancer les études, mais surtout à trouver la solution idoine. Mais comme ils n'ont rien fait à Saint-Louis, ils ont laissé aussi cette situation à l'État. Le futur candidat à la présidentielle de 2019 promet non pas seulement de régler les problèmes de Guendare, mais également ceux de la ville de Saint-Louis. Et trouver les voies et moyens, ça fera partie de mes premiers chantiers. Il faut qu'on règle ce problème. Il faut aussi s'atteler à doter Guendare d'infrastructures qui permettront une meilleure urbanisation de ce quartier. Guendare, ce sont des braves Sénégalais qui y habitent, qui travaillent à la sueur de leur front, qui gagnent de manière pénible leur vie. Ils ont besoin d'être soutenus et accompagnés. Tout cela fait partie de mon programme. Et dans mon programme, il y a une page spéciale pour Saint-Louis. Maître Madi Kenyon a profité de sa visite pour inaugurer sa nouvelle permanence à Saint-Louis du Sénégal.